Lucas, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? J'ai une surprise pour toi. Surprise? Ouais. Tu viens? Mais pourquoi tu pars? Viens, je te montre. Je te montre. Derrière cette porte-là. Ouvre-la et tu vas voir. Lucas? Lucas? Marinette? C'est toi? C'est toi? Ne dis rien. Garde les yeux fermés. Profitons rien que tous les deux. Lucas, attention! Tu vas voir ce que je vais lui faire. De qui tu parles? Mais de qui tu parles? Marinette? 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 Allez, on se réveille. Oh. De quoi? Ça va, tu me remets le rendez-vous, le plan, tout ça, tout ça. Chat noir? Mais comment ça se su que j'étais ici? On devait pas se retrouver à la péniche? J'ai un bon flair, disons. Mais il est où Adrien? Oh, sûrement sous la douche. T'entends pas l'eau? Comme les mannequins. Ouais, c'est pas faux. Bref, c'est quoi ton plan? Oui, mais pas ici. Le paradoxe pourrait le débarquer. Ou même Adrien. D'accord, sortons discrètement. Ah, attends, attends. Lucas Koufen, je te confie la miraculeuse du serpent. Il donne le pouvoir de la seconde chance. T'en feras bon usage. De quoi? Ouais, je sais que c'est pas le meilleur endroit pour donner un miraculous, mais bon. T'avais qu'à te lever plus tôt aussi. Mais c'est pas une blague? Tu m'offres vraiment cette opportunité? Bah, on manque de bras. J'ai pas trop envie de rappeler Chloé. T'acceptes? Protéger Paris. Ma famille. Compte sur moi, chat noir. Je savais que t'accepterais. Et comment tu le savais? J'aurais pu décliner. Être un super-héros implique de grandes responsabilités. Mais c'est dans ta nature d'aider les gens. Par contre... Qu'est-ce que tu... Vite.
8h47, il faut vraiment se dépêcher. J'ai beaucoup de choses à faire après. Mais tant miraculous. Ok. C'est normal ça? Ouais, c'est pour éviter qu'on les reconnaisse. Et ils changent de forme à chaque porteur. Oh, c'est ingénieux. Et je te présente Sas. Enchanté. Ah, t'es mignon toi? C'est toi qui m'as donné le pouvoir? C'est moi, oui. Le Miraculous du Serpent offre le pouvoir de remonter le temps à 3 reprises dans un laps de temps de 5 minutes. Mais aussi d'autres pouvoirs que Chat Noir t'expliquera plus en détail. Ah, de toute façon, t'auras pas besoin de les utiliser aujourd'hui, t'inquiète pas. Bon, dépêche-toi. Comment je dois faire pour me transformer? Il te suffit de dire « Sas, transforme-moi !» Ok. Sas, transforme-moi. Qu'est-ce que tu fais, Chloé? Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire, moi! Désolée, Sabrina, c'est super lourd! Attends, je rêve! Me dis pas qu'il traîne par terre! C'est un sac de collection, Chloé, il a pas traîné par terre! C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai pas ton temps, moi. Désolée, Sabrina, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oui, c'est bon. Tu voulais quelque chose? Oui, je te rappelle que tu dois faire mes devoirs. J'ai une convention hyper importante ce week-end. Alors, français, maths, histoire, anglais, et je sais plus. Et bien sûr, zéro retard toléré, hein. De toute façon, toi, t'as zéro passe-temps, t'as pas de passion, donc t'as tout le temps de les faire, mes devoirs. Mais Sabrina... Quoi? Tu vas me dire que t'es devenue populaire parce que maintenant t'as une émission en la noix et tu fais des stories moches? Rends-toi utile pour une fois, tu sers à rien. Qu'est-ce que tu fais encore là? Zou, allez! Pardon. Allez! Bon, je vais aller regarder d'ailleurs, et moi. Et Sabrina, je voudrais... Des foires. Non mais comment tu parles de notre copine là? Il a raison, Piaf, comment tu parles de ma meuf? Ta meuf, déjà c'est notre meuf pour commencer. Et si tu mettais autant d'ardeur que dans tes poings, le super reviendra à son secours. Non mais l'écoute pas, t'as pas besoin de défouler ta colère sur Mylène, mais sur ces petits merdeux. C'est moi? Ou t'en as un qui bouge encore? Sac à merde! Et vous commencez à me faire chier les gars. Eh, dis donc moi ce personnage, tu crois qu'on prend plaisir à te voir t'abaisser des conneries au sol? Oui, bon, mais c'est pas que ça. Moi aussi, y'a que ça, écoute-moi
Laisse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Taper les gens, c'est bien. C'est mettre en colère, c'est cool. Le criminel, c'était hier. Ah oui, voilà. Écoute-moi bien. Plus tu vas taper de gens, plus tu vas être un méchant. Un véritable bad guy. Ça te plairait pas? Si je fais mon boulot, connard. Mylène n'accepterait jamais ça. Ça marque un point. Mylène va pas être contente d'apprendre ça. Maman? Non, mais ça va pas. Même pour moi, t'as pas à frapper. Maman? Non. Mais... Non, j'ai dit non. Non. Mireille. Oh. Ah, c'est un cauchemar. Ouh. Oh, ça fait encore mal. Ouh. Mais au moins, elle est pas au courant. Ouais. Je vais retrouver Marc. Et ça va bien se passer, ouais. Ouais. Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais là? Puis on est où, merde? Attends. Mais on est où? On est dans le sous-sol d'Adrienne. Attends, quoi? On est chez Adrienne? Non, t'es là pour rembourser les dettes de maman. Non, non, attends, moi, non mais non, 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 je veux pas payer les dettes. Non, c'est les dettes de maman, je veux pas les payer à sa place. Compris, tu vas pas bouger. Je vais devoir encore me débrouiller toute seule et sauver l'honneur de la famille, enfin ce qu'il me reste. Tu veux définitivement pas me détacher. T'as sa solde, c'est ça? T'es faible, de toute façon. C'est bien. Non mais allez, Lucas. Allez, viens, on se barre de là. Toi et moi. Et puis tout, on va rentrer dans l'ordre. D'accord? Allez. On y va, d'accord? T'es détaché? Non, moi je suis là juste pour regarder. D'accord, j'ai compris. Génial. Okay. Qu'est-ce que t'es naïve, ma pauvre fille. Tu sais, Adrien et moi, on est vraiment... Oof.
mon frère et Adrien, mon cousin. Pourquoi? C'était un cauchemar. Un cauchemar. Chez toi, ça rassurera ta mère, je pense, pas ce qui s'est passé. Et puis on évitera les embrouilles comme ça. Ça va? Allez, c'est parti! On y va! C'est bien, regarde, j'ai fait les madeleines que tu m'avais demandé de faire. Enfin! Le goût est bon, mais. Mais. Y'a pas quelque chose qui te choque? C'est bleu azur, Chloé. J'avais demandé bleu bondi. Tu le fais exprès, c'est quand même pas compliqué. Désolée, Sabrina, ça se reproduira plus du tout. Sinon, t'avais vu hier soir, il y avait une émission, là, Les Petits Diables à Saint-Germain-des-Prés. Il y avait un clash entre Alicia et Gertrude. Tu me parles encore de tes émissions pourries? Et en plus, tu m'immisces dans ta conversation? J'en ai rien à faire, moi. Reprends tes madeleines, j'en veux pas. Allez. Déjà, il y a le truc calme là. Le fumage hurricane, Chloé. C'est pas possible d'avoir une cervelle de moineau comme la tienne. Ouais. Ouais, il est comme tu l'avais demandé, quoi. Simple. Basique. Ensuite La flèche, mais. Mais pourquoi le manche est encore marron? J'ai pas encore eu le temps de mettre la peinture dorée. Mais c'est rapide à faire. Ouais, c'est pas faux. Et l'arc? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? J'ai pas eu le temps de faire. Quoi? Mais Sabrina, il y avait l'ODM de maths à faire et il y avait plein de devoirs à faire. J'ai pas le temps de le faire, Sabrina. On avait des devoirs à faire, on avait des DM et je vais faire tes devoirs. J'en ai rien à faire de tes excuses, Chloé. Je suis censée passer un concours cosplay ce week-end. Comment je fais, moi, sans arc, hein? Je vais être ridicule devant les jurys. Tu sais combien on met de temps à faire un arc, Chloé? Pas 24 heures en tout cas. Il faut poncer, il faut découper, il faut le peindre, il faut peut-être même le vernir, il faut le tester, voir si ça marche. Et ça, ça met au moins une semaine. Désolée, Sabrina. Alors, à moins que tu connaisses une technique de multiclonage, tu ferais mieux de t'y mettre maintenant, quitte à ne pas dormir. Kagami, il faut que je te dise quelque chose. Quoi, Adrien? Kagami, veux-tu m'épouser? Oui, Adrien! T'inquiète pas, Adrien. Je te protégerai au péril de ma vie. Adrien? Je savais que tu me protégerais.
vraiment que j'avais été épousée. Adrien ! T'es juste une ruse pour prendre ton miraculous. C'était qu'un rêve, calme-toi Kagami, c'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Adrien ferait jamais ça, il ferait jamais ça. Yabai! Ah, chikoku desu! Alles no tozuku maintenance! Tokuni Adrien-san! Ah! Ah! Ah, ça fait peut-être un peu trop, venant de chez moi, en même temps, pour un gala. Pour un gala, j'ai rien d'autre. Faut que je regarde, ma mère a forcément quelque chose. Alors, vite, sinon je vais être en retard. Non, y'a rien. Ah, bah voilà, ça c'est parfait. Oh non, les affaires de ma mère, c'est pas le moment de... Maman, je vois que c'est à ton âge, t'étais bien comme ta fille, une vraie passion pour les lingeries. Ça me sera sûrement utile pour Adrien, mais peut-être plus tard. Putain, ça a pris de transport, je vais arriver en retard. Oh non, attends. Oh pardon, je suis désolée, mademoiselle, je dois y aller. Elle peut pas faire attention, celle-là. Petit Adrien, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était dans un rendez-vous amoureux. C'était trop mignon. Ah là là, il m'a tellement manqué. Je vais pas rester très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses c'est à faire. C'est pas vrai, mais quelle sale menteuse celle-là. Mes affaires. Je la sens vraiment pas cette fille. J'ai un mauvais pressentiment, je ne sais pas si c'est par rapport à mon rêve. Avant d'aller revoir mon petit Adrien, je suis... Non, c'est rien. Je dois être faute pour lui, pour toi Adrien. Et avant d'aller revoir mon petit Adrien, je vous souhaite une très bonne journée. Sabrina, j'ai enfin acheté ce que tu m'as demandé. Voilà. Ok, c'est pas ça, Chloé. Ça, ce sont des comics. Des BD américaines. Oh. Recommence. Ah. Voilà, normalement, c'est ça. C'est l'édition limitée. C'est quoi ça, Chloé? DVD. Pas du tout ce que je t'ai demandé. Tu vois ces BD-là? Elles sont en couleur. Alors que les BD japonaises, comme je te demande depuis pas mal de temps maintenant, c'est en noir et blanc et c'est plus petit. Donc tu vas à la boutique et tu recommences. J'ai des mangas. Ouais, c'est ça. Mais... les yaoi sont deux mecs qui se rentrent dedans, Chloé. Mais... là, ils se rentrent dedans. Non. L'amour? Ah, ici, là, j'y ai pensé. Ici. Ce sont deux filles, Chloé. Les yaoi, c'est avec deux garçons. C'est pareil. Sors d'ici. Oh, je vais y arriver. Non. J'ai ton rond lumineux. Marie Light, Chloé. Bon, dépêche-toi, je vais faire mes TikTok là. Oui, mais... Et tu vas peut-être le brancher, non? J'aime pas, c'est trop bas. Monte-le.
J'aime pas la couleur. Change la couleur. Non, c'est beaucoup trop orange. Je ressemble à une carotte, non mais regarde le temps que ça me fait. Change la couleur, remets blanc. Ouais, on va se contenter de ça. Et dis Chloé, tu crois pas qu'il y a un problème avec le téléphone là? Voilà. Non, tu peux t'en aller maintenant. Mais ah, non, parce que tu pensais qu'on allait vraiment faire des TikTok ensemble. Non mais Chloé, tu sers à rien, t'es inutile. Allez, va faire un tag si tu veux. Ok. Votre petit déjeuner est servi. Une lettre est arrivée aussi pour vous. Une lettre vous attend aussi. Sérieusement, genre, une lettre de Najo? Cela doit être très important. Abordez-la moi. Tout de suite, mademoiselle. La voici. C'est excellent! C'est la lettre d'un studio! Il faut que je passe un live, préparer les vêtements, tout ça, vous connaissez? Tout de suite, mademoiselle, je m'en occupe! Salut les Chloé Chou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vous allez adorer! J'ai une nouvelle incroyable. Jean-Michel, la lettre. Alors, très chère mademoiselle bourgeoise, c'est moi. Nous avons l'extrême honneur de vous annoncer qu'un projet en l'honneur de Queen Bee a été lancé en production. Vous avez été choisie pour incarner votre propre personnage. Vous recevrez le cachet suivant de... Oh, à partir de ce moment-là, ça ne vous regarde plus les tissus. Vous pouvez disposer. Comme vous avez peut-être pu comprendre, les Chloé fans, ils vont faire un film d'animation sur moi. Après toutes ces années passées à sauver Paris, ils reconnaissent enfin mon héroïsme. Je suis invitée cet après-midi dans les studios pour donner de ma personne. Allez, à plus les tissus. Oh, Jean-Edouard, on m'a invité pour que j'aille voir un film d'animation sur Queen Bee cet après-midi, ça va être génial! Je n'en doute pas, mademoiselle. J'ai juste un doute. Mais c'est honteux! Jean-Harry, préparez la voiture, il faut que j'aille m'expliquer avec ces gueuses qui pensent y connaître. Tout de suite, mademoiselle, à la Chloé mobile! N'importe quoi. Ça va? Alors? Comment tu te sens dans ton nouveau costume? Bah, je t'avoue, c'est bizarre. Mais je vais m'y faire. Oh, c'est cool. Et du coup, ton plan? Alors, j'ai besoin de toi pour draguer une fille. Draguer une fille? Elle est tellement parfaite, divine, magnifique. France, ouais, c'est le debug. Exact. T'as bien deviné, mon petit serpent. C'est bien elle. Bref, c'est quoi ton plan?
Il faut la rendre jalouse. C'est très simple, tu vas voir. La rendre jalouse? Nous? Mais comment ça? En jouant les petits couples, bien sûr. Ça va l'énerver que je fricote avec d'autres super-héros. Surtout ceux que j'ai choisis. Surtout un mec, en plus. Elle pensera que tu es très spéciale à mes yeux et fera tout pour me récupérer. Et quel plan génial! Tu trouves pas? Attends. Mais je vais servir qu'à ça, moi? Et sauver Paris dans tout ça? T'inquiète pas, c'est compris dans le forfait, ça. Y'aura pas que ça. En plus, t'es fort, t'as la tête sur les épaules. Ouais, pas comme toi. Oh, c'est pas trop gentil, ça. Je suis fort, en plus. Bref, on va voir comment marchent tes nouveaux pouvoirs. Et je te laisserai le Miraculous jusqu'à ce que le prochain acrobatisé arrive. Ça te va? Tant que je peux vous aider à sauver Paris, ça me va. Qu'est-ce qui ne va pas, ma douce? Tu ne crois pas que quelque chose ne va pas? Ah, si. Pour la boulangère, tu as fait ce que je t'ai demandé? Ne t'inquiète pas, je m'en suis déjà occupée. Je veux plus jamais la revoir. En plus, elle est moins bien foutue que toi. Et pour te le prouver, veux-tu m'épouser? Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. À moins que je n'aie plus de rival. Qu'est-ce que vous faites, là? Oh, Kagami, tu tombes pile poil au bon moment. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu fais avec Adrien? Je tenais absolument à ce que tu vois ça. C'est pas vrai, j'aurais jamais pensé que tu pouvais être une peste comme ça, Lila! Et toi, Adrien, t'as juste joué avec mes sentiments pour mieux essayer d'avoir Lila? Mais je ne t'ai jamais aimée, Kagami. J'aime Lila depuis toujours. Je veux plus jamais te revoir, Adrien! Je t'ai enfin trouvé. D'arriver, je suis trop contente de te voir. Enfin, Madame Rossi, quel est votre ressenti sur votre voyage en Italie? Oh, elle est à Césaire. Ça me fait très plaisir de te revoir en tout cas. Oui, je viens juste d'arriver à l'instant. Et du coup, tu veux une interview pour ton blog, c'est ça? Tu m'as trop cramé, comment t'as fait? Ah, mais en même temps, c'est très facile de te comprendre. Tu veux voir les photos? Ouais, vas-y, montre. Alors là, t'as la tour de Pise, juste devant. Et juste derrière, là, t'as le Colisée. Ah, c'est trop beau, c'est pas mal. En plus, tu ressors super bien sur les photos. Ah, mais tu vas où avec ta valise, en fait? Je rentre chez moi, je suis un petit peu fatiguée. Ah. Et après, il faut que j'aille voir Adrien pour son défilé. Tu viens aussi? Défilé... Non, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Nino. Du coup, je serai pas là. Je suis vraiment désolée. T'inquiète pas, je comprends. J'ai cru comprendre avec tes messages que ça allait pas fort. Bah, pas trop. On a eu des petits problèmes récemment, mais du coup la balle est dans mon camp et il faut que je fasse un choix et j'ai pas vraiment envie d'en faire un. Je ressens ta douleur et j'espère que tout ça va s'arranger entre vous deux. Merci Lila, je vais faire de mon mieux mais... Oh punaise, je vais être en retard, il faut que j'y aille. Du coup tu feras la bise à Adrien et tu diras coucou de ma part et je t'enverrai un message pour t'expliquer le reste de la situation. Oui, il compte là-dessus. Bisous, je t'envoie plein de bonnes ondes. Ah, je suis contente d'être revenue. Paris, prépare-toi. Lila est de retour. Bon, t'as bien compris comment marchent tes pouvoirs? Ouais. Et j'aime bien le son de cette pierre. Et t'oublie pas, au prochain akumatisé, on fait le plan. Ça marche. À plus tard, Chanor. Thank you.
Excusez-moi. Je crois que ceci vous appartient. Oui, c'est à moi. Super. Ah, minute. Je peux savoir ce qu'Adrien fait avec un énergumène comme vous. Un énergumène? Mais vous me prenez pour qui? Bah, disons que j'ai pas l'habitude de juger les gens sur leur apparence, mais vous n'avez pas une tenue des plus... classiques. Bah, mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Certes. Et vous comptez garder ma guitare ou est-elle collée à vos mains? Vous n'avez pas répondu à ma question. Certes. Adrien et moi, on est très bons amis. On partage beaucoup de points communs. Sauf peut-être pour ce qui est du style vestimentaire, comme vous avez pu le remarquer. Oui, mais les agresses ont une certaine image de marque, faudrait pas la ternir. Ah, parce que pour vous, je pourrais ternir l'image agreste? Lucas, c'est ça? Oui, madame. Bon, écoutez, vous avez l'air d'être un garçon assez intelligent, mais agissez en conséquence. Vous savez très bien que monsieur Agresse surveille tous les faits et gestes de son fils. Oui, c'est vrai. Alors, je vais fermer les yeux pour cette fois-ci. Mais tâchez de pas vous faire prendre, mais d'être plus prudent. Oui, madame. Marinette m'invite. Je pourrais dire adieu à mes plans d'avoir deux enfants et un hamster. Hey, salut! Merci d'avoir regardé l'épisode 1, partie 2. Nous vous rappelons que nous sommes une web-série amateur, donc pour tous les défauts de production, nous en sommes absolument désolés. Nous avons une boutique où acheter des t-shirts ou même des mugs pour soutenir le projet, et même un Tipeee. Nous discutons souvent sur notre Discord également, et mettons de façon assez régulière du contenu sur notre Instagram pour montrer les dessous de la production. Merci de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes. Restez connectés!